retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a jamais été encore faite sur ma chaîne. Bon, on en voit partout, mais c'est pas grave. C'est une vidéo ouverture de box. Donc j'ai reçu la Glossy Box que je vais ouvrir devant vous. Je n'ai pas encore ouverte, donc voilà. Cette box, nous ne la connaissons pas, ni vous, ni nous, le petit chat. Enfin, je vais l'ouvrir devant vous, donc voilà, j'ai pris le soin de cacher mon adresse au préalable. Qu'est-ce qu'il y a donc bien là-dedans? Oh, alors, je sais pas si c'est pour moi, mais enfin, il y a marqué « Joyeux anniversaire ». Donc si c'est pour moi, ils se sont plantés, à mon avis, c'est pour eux. Hein. Il y a le petit magazine avec « Joyeux anniversaire » et des allumettes dessinées. Et c'est l'anniversaire de Glossy Box, voilà, 3 ans de Glossy Box. Donc bon, voilà, je ne voudrais pas regarder ce qu'il y a dedans, parce que s'il y a des indices sur les produits, je ne veux pas savoir. Donc ça se présente comme ça. Et nous allons voir. Voilà. Voilà comment ça se présente. On va enlever le petit nœud. Et voilà, là, il y a un petit dépliant que, ben voilà, qui parle des produits, donc je ne vais pas regarder. Donc on dirait un paquet cadeau. J'essaye toujours de ne pas déchirer le papier. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà ce qui se trouve dans la box. Alors, oh, c'est bien ça. Alors, le premier produit que je pioche, ça s'appelle Lip Coat. Et apparemment, c'est un top coat pour le rouge à lèvres, pour que le rouge à lèvres dure plus longtemps. Ouais, c'est ça. Ah, du rouge à lèvres qui tâche, file, s'estompe et qui ne résiste pas aux baisers les plus passionnés. Wouhou ! Appliquez votre rouge à lèvres et tamponnez légèrement avec un mouchoir. Répétez l'opération. Appliquez uniformément Lip Coat à séchage rapide par-dessus et légèrement au-delà du rouge à lèvres. Gardez votre bouche entrouverte pendant le séchage de Lip Coat. Bon, bah c'est à tester. Hein. Et c'est de la marque... C'est de quelle marque, ça? On dirait que c'est la marque Lip Coat, tout simplement. Bon, bah ça, c'est un bon produit à essayer. Je sais pas comment ça se présente. Moi qui ai toujours... je mets rarement du rouge à lèvres parce que j'ai toujours peur que ça bave et tout ça, parce que j'aime pas quand c'est pas nickel. Ça se présente comme ça. Et... ça s'applique avec un pinceau, on dirait un vernis en fait. Voilà. On voit ça par exemple. Je ne savais même pas que ça existait. Bien. Ensuite, il y a apparemment un highlighter crème. On dirait un petit... comme un fard crème en fait. Ouais, voilà, ça se présente comme ça. Et... ouais, pas mal, ça colle un peu, hein. Ça colle un peu, je sais pas si j'adhère. Ça sent rien. Et ça, c'est la marque Gloss... ah, c'est Criolan en plus. Criolan, c'est la marque que j'utilise pour le maquillage de scène. Et bah, je sais pas, peut-être pour les spectacles, ça peut être... j'ai l'impression que c'est un peu gras. Enfin, à tester. Ensuite, un jumbo. Et donc, c'est un jumbo pour faire quoi? C'est une ombre à paupières en jumbo. Et c'est la marque... C'est quoi cette marque? Sumita Beauty. Je connais pas. Je vais essayer de le défaire. Et donc ça se présente comme ça. Et... ouais, ça s'applique bien. Là, ça prend plein la lumière. Ça a l'air de bien s'appliquer. Je sais pas si j'utiliserai ce genre de choses. Marqué peut-être bien en ras de cils, je sais pas. Mais enfin, la couleur est sympa. Il y a des irisés, c'est pas mal. Et ça sent... et ça sent rien du tout. Voilà pour le troisième produit. Jusque là, c'est pas trop mal. Ah, ensuite... ah, c'est beau, ça. Ça, ce sont des tatouages éphémères dorés. C'est sympa. Je sais pas ce que ça rend, doré sur la plage. Sur la...
sur la plage. Pourquoi sur la... Parce qu'en fait, la nana, elle est en maillot sur la photo. Je voulais dire sur la peau, en fait, pas sur la plage. Donc, je sais pas du tout comment ça rend, mais j'aime bien. Alors, c'est assorti à mon cabaret de derrière. Donc, je sais pas, il y a des motifs, il y a un attrape-rêve, une encre marine, des petits triangles. Moi, j'aime bien, c'est sympa. Et le dernier... Ah, y a... c'est pas le dernier produit, c'est l'avant-dernier produit. Ça, c'est bien aussi. Ce sont des lingettes exfoliantes. Et ça, je savais même pas que ça existait. Ça, c'est bien. Tissu double face, nettoyé, exfolié, purifié. Ah, je n'ouvre pas parce que je veux pas que ça sèche. Mais ça me plaît bien. Et c'est la marque Biface. Il y en a 10 dedans. Ah non, j'aime bien. Tout type de peau. Cool. Et il y a un autre produit... Ça a l'air d'être un rouge à lèvres. Nous allons le découvrir ensemble. La marque Belle la Pierre. Je ne connais point. Burlesque Lipstick. Et donc la couleur. Ouais, c'est un petit peu foncé. C'est un peu vieux rose. Je pense pas que je mettrais une telle couleur. Mais peut-être pour faire cadeau, ça peut être. Ah, par contre, ça sent la vanille. Ça sent quelque chose de très sucré. Je voudrais pas le swatcher parce que si je le fais cadeau, en fait, je voudrais pas qu'il soit déjà utilisé. Enfin, bilan. Alors, attendez, on va regarder un petit peu combien ça coûte tout ça. L'highlighter Criolan, c'est un full size qui coûte 14,50€. Donc déjà, ça fait le prix de la box. Donc le rouge à lèvres, c'est un full size qui fait 25€ de la marque Belle la Pierre que je ne connais pas. 25€ quoi. Non mais allô, 25€ le rouge à lèvres. Enfin bref, 25€ quoi. Donc j'espère qu'il est bien. Ensuite, le lip coat, c'est un full size qui fait 5€. Donc voilà, ça c'est un full size, 5€. Bon, ça, si ça marche bien, je le rachèterai. Et puis le crayon. C'est aussi un full size, le Jumbo Fard à paupières. C'est un full size qui fait 13,28€. Et les lingettes. Les lingettes, c'est aussi en full size. Et ça coûte 1,59€. Bilan de cette Glossy Box. Bah, vu le prix des produits, elle est largement rentabilisée. Puisqu'elle vaut 15,50€, je crois bien, avec les frais de port. Dites-moi si vous avez reçu les mêmes produits que moi. Je ne sais pas si on reçoit tous la même chose. Dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu de différent ou ce que vous pensez des produits si vous les avez déjà testés. Moi je l'ai reçu hier soir, j'ai dit bon je vais attendre de l'ouvrir en direct. Alors je suis en train de me poser la question, je suis inscrite à 3 box beauté. Il y a celle-ci, donc Glossy Box, il y a Birchbox et il y a My Little Box. Et je me tâte un peu à rester, enfin je sais pas si je vais rester abonnée ou pas parce que finalement on n'est pas toujours content de tout et à la limite je préférerais peut-être mettre les sous de côté et m'acheter ce que je veux à la place. Je me tâte, donc c'est en test pour l'instant. Si ce genre de vidéo vous intéresse, dites-le moi, j'en ferai plus souvent. Que dire de plus? Salut, coucou maman! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour ce genre de vidéos. Les dernières vidéos que j'ai postées étaient plus des vlogs. Je pense que ça vous plaît bien. D'après les commentaires, j'espère. Dites-moi. Dites-moi tout. Moi aussi, en tout cas, j'aime bien faire des vlogs parce que bon, je me vois pas parler tout le temps comme ça derrière la caméra. Même si je ne suis pas gênée plus que ça. C'est plus que j'aime bien faire un peu la folle. Donc vous l'avez certainement compris. Voilà, si vous avez des vidéos que vous aimeriez que je fasse, dites-le moi. Pareil, je suis à l'écoute. J'aime pas trop les tags genre what's in my bag ou un truc comme ça. Enfin ça c'est pas trop mon truc. Donc suggérez-moi des vidéos qui vous plairaient. Sinon ne vous inquiétez pas, j'ai quand même des idées. Donc il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Ben voilà, sur ce je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme dirait Valérie... Au revoir. Ça faisait longtemps. Oh oui, ça faisait longtemps, vidéo maman. Il y a eu un gros blanc là. Je vais couper parce que ça va couper. Autant dire que la box. Ensuite, le rouge à lèvres, c'est un full size qui fait 25€. Oh, salope.
Mise au point ou pas? Bon, on s'en fout. Les lingettes et... J'aime pas une tête de swatch. Donc cette fois... Pourquoi je dis donc ?